Salut à tout le monde. Bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous allez me suivre. Je suis venu aujourd'hui pour expliquer les ordres donnés par Cour de cassation, Cour constitutionnelle, soit n'importe quelle juridiction en Bokanabiso, comment on a acquis. Il y a une classe politique des gens qui se sont organisés systématiquement pour bouder les ordres donnés par les autorités de notre pays. Aujourd'hui, le 12 juin, il y a eu un grand désordre au niveau du palais de la nation, palais du peuple, cochonné par la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Aboun Djanine, qui sait quoi au-dessus de la mêlée, qui pense que pour elle, l'Assemblée nationale, c'est l'institution sacrée de toutes les institutions, est capable de gérer Mbokana Ndenge na Yango sans qu'il y ait une intervention par l'institution Moussous. Or, Azali Kosala, rare grave, et ça va lui coûter très cher. J'ai avec moi la conscience de notre pays. En son article 68, on a défini quelles sont les institutions de notre pays. On n'a pas dit que, parce qu'on est Parlement, Assemblée nationale ou Sénat, c'est fini, au coquille, jamais koto ça, ordre donné par une autre institution. Nous sommes dans la constitution de notre pays en son article 68. Article 68 et le Biboué. Les institutions de la République sont, bazotang la bisoba institution. Première institution, le président de la République. Donc, le président Félix Tshisekedi, tel qu'il est, c'est une institution. La première institution du pays. Ça, c'est tel qu'est énuméré par la constitution de mon pays. Deuxième institution, le Parlement. On n'a pas parlé de l'Assemblée nationale. Le Parlement veut dire Sénat plus Assemblée nationale. Nous avons des institutions. Toqué la troisième institution, le gouvernement. Donc, Ilunga Ilunkamba dirige aussi une institution. Il est dirigeant, il engage une institution. Tout comme président Félix Tshisekedi lui-même, c'est une institution. Le Parlement dirigé par deux personnes, ce qui veut dire Sénat, président du Sénat et président de l'Assemblée nationale. Tokéina, quatrième institution, Balobi, le cours des tribunaux. Bande Kunangaï. Ah, Batangi, institution Mokoka Parlement, Balobi, excusez-moi, Balobi, le président de la République, c'est première institution. Deuxième institution, le Parlement. Troisième institution, le gouvernement. Quatrième institution, les cours et tribunaux. Mais dis-moi, à Obatangi, les cours et tribunaux. Les cours sont engagés par qui? Par des parquets, tribunal de grande instance et autre chose, cours constitutionnels. Comment voulez-vous, cours et tribunaux, basé une décision, en tant qu'elle, une institution à part entière, a zali la prérogative naïe. Ce n'est pas pour rien, Babengi, Conseil d'État. Conseil d'État. Azaliwana pour réglementer. Nyon se zali à Mabé, dans l'institution Moussous. Vous avez vu, votre il fallait salema, na niveau ya Sankourou. Nana kata ki problème wana. Semi azaki déjà à animateur na est sur place, bat nyon se bazaki sur place. Mais qui avait donné l'ordre que vote salemate pour na vote ya gouverneur? Pourquoi après ça qui est droit? C'est dans ses prérogatives, il y a qu'on réglementer l'institution et l'État. Dans le Monique, na Katia Sankourou, il y avait conflit entre Lambert Mende et Mukumadi qui est l'actuel gouverneur. Il a fallu Conseil d'État à statuer. Et Conseil d'État a donné les ordres là-bas. Votre salamakate, Tim Kolemoko Yaki Kosala. Conseil d'État a réhabilité Kabatu, ce qui va kati bango na ba mandat na bango na ndenge ya mabe, s'il faut le dire en lingala. Mais le Conseil d'État na kati a pouvoir naï. Jean-Marc Aboud, l'honorable de notre parti, a saisi les instances de la République. Ba monique na kati a requête naïe, il avait raison. Ba lobby na bandeko o l'Assemblée nationale que vous aviez tort. Et vous n'avez pas respecté la procédure. D'où Jean-Marc Aboud a raison. Comme il a raison, vous allez empêcher Bino, vous allez voter, vous allez voter pour remplacer
Na premier vice-président, il y a l'Assemblée nationale. Le document est fait. Madame Abound n'a pas répondu. Basu document, batini l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas réservé une réponse dans la Cour de cassation pour dire que nous allons continuer avec notre processus. Mais bah, keba koti messe noire na bango na kingakati na boutou, bah, lobby bah, koto saté ordre donné par la Cour de cassation et n'a pas compétence. Mais c'est dans quel pays? Nous sommes dans quel pays où le Conseil d'État a zopé sa ordre naïe? Mais tout le monde a bimi boya le bino, biso parce que tout ça va te kingakati, parce que Kabila Zaki, président 18 ans, ce qui veut dire biso tout ça va dans le coin. Ça, c'est une façon de blaguer. Je vous dis, nous sommes en train d'épuiser au Babengi les dispositions officielles de l'État. Quand nous allons épuiser tout, ma pétition à biso, ma kambutu et Sili, attendez-vous à un soulèvement que même président Félix ne sera pas prêt à nous empêcher. Nous sommes en train de dire ceci. Surtout aux alliés dans quatre institutions qui est appelée à respecter d'autres institutions. Tout ça, la préambule, exposé des motifs, il y a constitution en Mbokanangaï. Je suis congolais, je vis en RDC. Constitution et Zali, mobe kouli kounzina linga lande, bazali kobe nga yango. Yo kandenge ba lobby, na point 3, il y a motif, exposé des motifs, il y a constitution. Na bande lango na sou, na liboso pour mtoutou ayoka. Les nouvelles institutions de la République démocratique du Congo sont. On a exposé trois. Un point 3 de l'exposé des motifs de la Constitution. Balobi. Les nouvelles institutions de la République démocratique du Congo sont. Le président de la République, le Parlement, les gouvernements, les cours et tribunaux. Les préoccupations majeures qui président à l'organisation des institutions sont les suivantes. Je répète, les préoccupations majeures qui président à l'organisation de ces institutions sont les suivantes. Préoccupation à Liboso, assurer le fonctionnement harmonieux des institutions. Je me limite là. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. Donc, il doit y avoir l'harmonie entre les institutions. Préoccupation à Liboso, oh bah ça les constitutions. Il faut institution bayo kanana moninga naye pour que harmonie wana et ça la beauté de la démocratie. Bangone basalaki constitution. Président Félix Tshisekedi n'était pas encore chef de l'État. Token a exposé à Mibale. Balobi, éviter les conflits. Pour éviter les conflits au sein des institutions, il a fallu que la constitution soit là. Ndeloko basale la constitution. Et le Liboso pour créer harmonie entre les institutions. Est-ce que Mabound a-t-elle créé l'harmonie entre l'Assemblée nationale et le Conseil d'État? Non. Ponanine, parce que M. Toza majorité dans le Parlement. La majorité au Parlement ne vous donne pas le droit de boycotter les ordres donnés par une institution reconnue par l'État. L'État congolais reconnaît au Conseil d'État comme cour des tribunaux droit naïe yako statuer en la matière. Vous l'avez laissé même les droits. Yako. Kendena procès wana jusqu'à la fin. Basambisi, Nani, Jean-Marc Kaboun et l'Assemblée nationale comme accusé par rapport à dossier wana. Et on a trouvé que Jean-Marc Kaboun, l'honorable, était victorieux dans ce procès. D'où la Cour de cassation a mettre déjà à Renaïe, vous devez obtempérer, mais Madame Aboun, au nom de la majorité, au nom de la famille politique de Kabila, lui ne peut pas écouter, à Koki Koto Sayangote, il se permet pour dire que non. L'institution, parlement, c'est une institution sacrée, hein, sacrée, hein, sacrée. On ne peut pas violer l'Assemblée nationale. Yoka papa, yope mama ozali kolandangai. L'inviolabilité de l'Assemblée ne veut pas dire le non-respect des ordres donnés par d'autres institutions reconnues par l'État. Parce que l'Assemblée nationale est inviolable. Le mot utilisé par Mabou Niangwan. L'Assemblée est inviolable quand c'est le moment où doivent se prendre toutes les grandes mesures. Proposition de loi Yamalamu, Pona Moka, il ne faut pas massacrer Yango pour empêcher les gens de travailler pour l'intérêt du pays. Mais est-ce que vous travaillez pour l'intérêt du pays? Vous avez déjà travaillé pour l'intérêt du pays depuis combien de temps? Qu'est-ce que vous avez déjà donné du meilleur depuis la législature Nabino, Nakati Assemblée pour la nation congolaise? Zéro. Mais vous êtes en train de parler
de l'inviolabilité de l'Assemblée nationale. Ce qui est assemblé est inviolable. C'est-à-dire que d'autres institutions reconnues par l'État sont aussi inviolables. Ce n'est pas dans la Constitution qu'on a parlé de l'inviolabilité de votre institution, mais c'est dans votre règlement d'ordre. Mais sache qu'aussi, ailleurs, il y a aussi des règlements d'ordre intérieur. Il y a des institutions à Bango. Alors, que votre institution ne soit pas sacrée par rapport aux autres. Sinon, on allait laisser l'Assemblée nationale seule et unique diriger le pays. Mais quand on a accepté que l'Assemblée nationale, le Parlement, soit accompagné de d'autres institutions, parce qu'on reconnaît que la compétence... Il y a pas une élection, monsieur Sou, et Zali aussi n'a pas sur votre institution. Mais pourquoi vous-même, vous n'avez pas coupé court votre problème? Pourquoi vous êtes allé d'abord demander, monsieur Sou, statuer sur votre problème? Wana et Zali exposé des motifs, il y a constitution, je n'ai pas tout lu, n'a point trop balobi, instaurer un état de droit. Donc, et Salemi aussi pour l'instauration d'un état de droit. Token à point 4 balobi, contrer toute tentative dérive dictatoriale. Constitution Salami pour recadrer aussi, Bagnos Balingba imposer dictature, Nenge Kabila Tchela Kibiso Yango, mais tellement ensemble, il n'y avait que des voleurs. Bato Bazaki Kuna, Obakende Kuna pour l'intérêt Nabango, tous ces gens qui font des bruits aujourd'hui, Fayoul et les autres, ils étaient là, Erbazo violé ba loi, Erbazali qu'on votait ba loi portant statut de l'ancien président comme Bakabil et Léo intouchable, à cause de la constitution mal utilisée dans l'Assemblée nationale et des députés qui étaient là, sans mot, pour défendre la population, jusqu'à ce que si maintenant à Bango, mais aujourd'hui ils sont venus pour donner des leçons à notre président Félix Tshisekedi. Na point 5 balobi, garantir la bonne gouvernance. Tous ont exposé des motifs, il y a constitution. Mais l'institution, nous sommes à Tangi, tous les quatre, balobi, président de la République, parlement, gouvernement, cour des tribunaux, et Salemi, na motif au mine. Balobi, assurer le fonctionnement harmonieux des institutions, éviter les conflits, instaurer un état de droit, contrôler toute tentative de droit dictatorial et garantir la bonne gouvernance. Je me limite là. Madame Mabound, tant aux Ali Koboya et le Conseil d'État à Sali, aux Ali Ko violé article 151 pour les Ali droits réservés na bango ba juge bato ba sambisaka ba maître peu barré na bango l'État reconnaître droit n'est pas na bango vous avez violé leur disposition yoka nazotanga article 151 parce que vous êtes en train de voir que vous êtes dans le bon mais vous n'êtes pas dans le bon. Aujourd'hui, vous avez vu qu'à Télémissi, quand même, soleil, l'Assemblée n'a pas pu siéger. Vous avez dit non, Tokokota na Makasi. Mais vous n'avez pas développé votre ordre du jour. Ce qui montre que Jean-Marc Kaboun reste toujours le puissant. L'article 151, Balobiboué. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver les cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice, ni s'opposer. Est-ce que Mabound a s'opposé ou il a accepté? Elle s'est opposée à l'exécution d'une décision de justice. Justice à lobby, n'a pas eu voté ça dans l'Assemblée nationale. Yo président de l'Assemblée au bimé au lobby, non, vote il fait seulement. Plénière il fait écoute. Aux alliés qui ont violé l'article 151. Parce que le lobby qui est ensemble, a coquille qu'on s'opposait, t'es la exécution d'une décision de justice. Donc l'Assemblée nationale n'a pas le droit, il y a koboya, décision de justice. Parce que dans l'Assemblée, n'a pas eu n'a été, ce n'est pas ton droit. Article 151. Donc Mabound doit revoir ses cours de droit. Parce qu'à l'Obaki, il y a Salaka droit, mais je vis qu'il y a quelque chose à compléter là-bas. Tant à l'Obi, Balobi, na ligne Zali Kolanda, le pouvoir législatif. Pouvoir législatif, c'est quel pouvoir? C'est l'Assemblée nationale, le Parlement. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice. Tant que vous êtes à l'objet,
osalate yo lobino tokokota tokosala ozali commodifier une décision de la justice article ezali article na kati ya constitution mboka na biso oyo kabila yemo kwa promulgaki oyo ezaki voté par mabambundu na batu nyonso na article 151 et bimi lelo na mnoko na biso te et bimeli na kati ya constitution mboka salaki balobi le pouvoir législatif ne peut statuer sur les différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Maman, yo kominan, on s'opposer, on modifier décision en justice. Madame Abound, tu n'as pas droit, tu ne pouvais pas le faire. Tu ne pouvais pas le faire. Ce n'est pas ton droit. Et ce n'est pas aussi dans le prérogative de l'Assemblée nationale. Faire cela, c'est manquer du respect à notre constitution et manquer du respect à une institution reconnue par l'État. Et en tant que tel, tu ne peux pas entraver la bonne démarche de la justice. Tant toujours qu'il nous siga balobi, toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nul et de nul effet. Madame Abounde, ça c'est du droit pur. Hein? Ça c'est du droit pur. Balobi, toute loi dont l'objectif est manifestement, de fournir une solution à un procès en cours. Procès à Jean-Jacques Mamba. Est-ce que c'est lui? Jean-Marc Kabundaza qui destitué sur base de quelle pétition? Pétition, il y a Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba, lui, est encore en conflit avec l'État. Il a un problème avec l'État. La liberté qu'on lui a donnée, c'est une liberté provisoire. Parce qu'il a été inculpé par l'État et relâché pour des motifs des enquêtes. Et maintenant que Jean-Jacques Mamba est encore en conflit avec l'État. Donc le procès est en cours. Le dossier est en cours. Maintenant, Makambozo qui est concerné quand il y a parlement, ils allaient handicaper la bonne démarche de la justice, ils allaient manifestement d'un objectif, il a coupé sa solution, le problème est en cours. L'article 151 vous interdit. Balobi, on y a supposé que ça les a nul et de nul effet. Article 151. Mais nous sommes dans quel pays où une femme se lève comme ça? Elle se dit, je suis maintenant tout puissante là, je peux tout faire parce que je suis de la majorité, il y a Kabila. C'est quoi ça? C'est quoi? Nous sommes dans quel pays ça? Et par après, vous allez dire, non, l'UDPS, quel l'UDPS? L'UDPS est en train de vous faire voir comment la démocratie est coquille au fonctionnement dans un pays. Ce n'est pas l'UDPS. J'ai entendu Moussou Soussoukiev Bazaïba aujourd'hui, oh, tout ça, ils allaient des ordres, il y a l'UDPS. Qu'est-ce que l'UDPS a à voir avec une dame manifestement qui vient à bandico boycotter ordre et institution reconnue par l'État? Est-ce que pour Conseil d'État existait avec l'avènement de l'UDPS au pouvoir? Le Conseil d'État existait avant l'UDPS au pouvoir. Et l'UDPS est venu trouver toutes les institutions là. Maintenant, la garantie des institutions est là. C'est la Constitution. La Constitution donne à chaque institution le droit de faire selon prérogative naïe. Yo boy makambu, oh yo constitution lobby, parce que vous avez bazaïba, ok, colobano, l'UDPS, l'UDPS n'a rien fait. C'est le problème d'une dame qui a manifestement refusé d'obtempérer aux ordres donnés par une institution où ils allaient n'ont qu'on aille et y a boi yango. Ils allaient pénal, la côte anglaise, article 133, il y a code pénal, volume 2. Ce qui botanga yango bomona qui m'a pas jamais m'a bunda salé, il faut pas qu'on y ait bâti boloko. Il faut pas qu'on y ait bâti boloko. Droit au bisoto, zotanga awa. S'il faut pas respecter lettre, article par article, il faut pas qu'on y ait bâti en boloko. Mais je suis en train de vous dire une chose, que je ne vais pas trop m'argumenter aujourd'hui. Si je suis venu vous parler, c'est parce que j'étais en colère quand je vis ce qui se passe dans mon pays. Un groupe d'individus, Balinibazoua, mort en otage. Voilà pourquoi j'étais un peu choqué. Mais je pouvais rester à la maison parce que je suis en train de préparer depuis la pétition. Alors, je vais dire à Madame Abound ceci, au finish, parce que je ne veux pas m'hasarder. Ayeba, que l'Assemblée nationale et le Sénat forme le Parlement. Le Parlement, c'est l'une des institutions parmi tant d'autres locaux, la Cour des tribunaux, locaux, la président, chef de l'État, locaux, la gouvernement. Alors, ceux qui m'ont dit que Bazali, autonome, quoi dépendre de l'institution, monsieur, c'était oui,
Mais la Constitution a donné à chaque institution droit à agir en tant qu'elle, comme une institution. 151. Et si Mabound persiste, il y a qu'on tient des ordres dans la carte d'Assemblée nationale. À l'unique Koboy côté, ordre donné par les causes des tribunaux. Azali Koboy, vous avez vu notre pétition, tout ça qui a libéré, tout ça qui a mot, bah, c'est qui a balé l'immunité. Il y a un moment, bah, toi, là, bah, les kikoura, bah, le binôme, bah, qu'on a l'immunité. Donc, l'Assemblée ou le Parlement, bah, Azali Kosala tout pour s'opposer à l'ordre donné par la justice, comme si, nulle part dans la Bible, on a dit, l'Assemblée va élever une nation. Mais la justice élève une nation. Laissez la justice faire son travail. Vous faites le vôtre. Où est le problème? Pourquoi mon salaté? C'est pour la bonne marche du pays. Mais laissez la justice faire son travail. Vous faites le vôtre. Que justice est mata. Parce que répondre. Tous ces gens que vous voyez ici, ils vont aller en prison. Ceux qui ont la frontière, ils ont polé le nez, qui m'a dit déjà qu'il y a un camisin, parce que nous avons déjà qui monté à la justice, bangoué sur la côte à prison. Mais vous n'allez pas échapper et vous n'échapperez jamais. Je suis en train de vous dire, personne ne va échapper. Personne. Même si tu es Libanam, hôtel qu'on a en France, tu as gagné à côté. Attends, ok, nous c'est quand on kangayo et bilo qu'on a bien notre toile. Bon changer ma combo, bon tchaya bana, bon tchaya banane, bon reçu à l'oreille caméra, bon côté à la prison. Parce que vous êtes en train de voler le pays, vous volez la jeunesse, vous volez tout le monde, mais la jeunesse a été sombrée, elle a été souffrir. Mais Mabound ne fait que réclamer. Vous savez que cette dame est une mauvaise foi que je n'ai jamais vue. Donc Mabound a été comme un commandant au gouvernement, a été comme le gouvernement à Bissot. Baba qui s'est député, $2,000, $2,000. Tous les 500 députés, voilà, c'est vraiment $500, $2,000. Maman. Oui, c'est parce que la loi existe, que les gens ont peur, il y a que ça la macamusus. Tant que vous allez que ça les locaux, il faut y avoir ni les allez que cayer la mitu abatou, ni les allez que ça la mité mabatou. Tant qu'on a fini dans autre tas la beau document, donc cette dame a écrit, la première ministre, Azo Senga, que premier ministre a instruire la ministre Abidjé. À instruire le ministre de la Finance, Baba qui s'en a député, non, ce $2,000, $2,000, $2,000, aux conjonctures des Aïma Bey. Ah non, je suis vraiment très en colère. Je suis au paroxysme de ma colère. Dans un pays où, Bazali Kofuta Moutou, $100, Nazana Bana 5, Azo Futanda Kou $50. Donc, une personne qui vit avec $50 pendant un mois. Mais depuis que vous allez déjà payer jusqu'à 12 000, ce qui convient, parce que vous avez $4,000 où vous allez collecter ça, mais vous avez peine d'avoir invisible, où est mon alakate. Mais ma boule, vous allez consigner à qui s'en achète député, $2,000, $2,000. Regardez, vous verrez la lettre, j'ai même lancé, et vous allez d'abord te bêler au Bazarango, nous sommes en Assemblée nationale, et vous allez consulter sur les réseaux sociaux, ma boule, vous allez consigner à qui s'en achète député $2,000. En guise de quoi? Sous base de quelle fonction, quel rôle vous jouez? Quel rôle? Donc, conjoncture, les amabé, il y a des députés, collègues, il y a des mamans, des autres, des mamans, des autres, des habitants, des bango des mamans, des autres, des boutiques, des autres, 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 quand est-ce que des autres, quand est-ce que session autres, des autres, congé parlementaire des autres, et puis des autres, est-ce que vous dans ce pays, le Parlement n'a pas son sens d'être, je vous jure. Moutake pena fandi du matin au soir, qui sont pour la tombe, qui sont contre Tiki. Place ma votage, loi à Malam Azate. Dis-moi, la bonne loi déjà votée pour les Congolais, c'est quelle loi? Ils sont là pour voter et contrôler. Mais ça va contrôler l'anime. L'anime, ça va s'en amboka ou ils allaient en faveur Yabatou et que. C'était pour quelqu'un moi tant que c'est marqué dans le parlement baba sa salaire à enseignant baba sa salaire à député combien de députés va tomber le bouc et les députés sont là les honorables députés gardés par les immunités parlementaires. Je vais attaquer cette loi des immunités parlementaires. Je vous ai dit, tous les Congolais, donnez moi la main. Il faut que chaque Congolais a vivre l'avantage de son pays. Nous ne pouvons pas être dans un pays où quelqu'un vit
avec 12 000 $, bazo sengle baba kisele sous 2000 mususu, pendant qu'un autre Congolais azali ko futa ma $50 le mois. $50 le mois, mususu ba futa $100, mususu $200, mais o azali déjà na 12 000, $4 000, azo sengle baba kisele 2 000 $. Nous sommes dans quel pays? Même ailleurs, il y a la différence. Il y a taux salarial, mais pas comme au pays où nous vivons. On nous trouve à 12 000, monsieur Sabani a $50. Ou à 13 000, ou à 80 $. Président et assemblée, il y a Sénat, il faut 100 000 $. Mais, et les autres qui touchent, bon, on a Nagissé, nous nous faisons, ma beaucoup Olenga, nous nous faisons, Yatanase, Olenga, 100 000 $. Après moi seulement, président de la République, président Sénat, 100 000 $. Et on a un peu de temps à l'école, à l'école, à l'aperçoir, au comité de ça, honorable sénatrice, non, elle m'a dit qu'elle va me faire des flics. Je lui ai dit que j'en ai assez chez moi pour nourrir à ma famille et, mes enfants. Donc tu as beaucoup de flics chez toi, parce que tu es payé 100 000 $ et que nous autres, on va nous payer 80 $, 100 $. 70 $ même de salaire. Na Congo ezali 70 $. 70 $. Ba foutu mutu 70 $ un mois. Mutu asali musala un mois ba foutu 100 $. Mais monsieur va na 12 000, azo singa baba ki c'est 2 000. J'étais en colère, ça m'a provoqué même les maux de tête. Comme je vous parle là, je suis souffrant. J'ai de mal au niveau de ma tête parce que j'ai trop raisonné que ça m'a donné la colère. Je me suis dit, je vais toujours en parler, mais ça n'a pas tout passe. Je veux que cette vidéo soit diffusée plus loin possible. Bon, paix en moi, je sais que ce que je parle aujourd'hui, il faut comme aller plus haut niveau de ce pays parce que je sais comment atteindre ce niveau-là. Et bateau, non, ce n'est pas la décision. Non, je suis maté. Baba qui s'est député Mongote, par contre, il faut pas l'ongola. Va retrancher. Congolais ne mérite pas ça. Donc, Congolais, tu n'as pas si. Moi, ton dit Bozui, Naest Minere Zali, Boyina Nezali, intensité seulement y'a pays. Moné ne kaka y'a pays oyo. N'y'en saute aux gens comme une quitte en Moka oyo. Il ne faut pas que Congolais souffrir. Mais un groupe d'individus sont le plus heureux. Au détriment des autres, le plus faible. Vous avez vu le procès d'hier. Où les gens disent que, parce que c'est sur instruction du chef de l'État, je pouvais aller à la banque emprunter. Même pour emprunter la banque, hôtel, il y a Yomoko, c'est sur instruction du chef de l'État. L'hôtel m'a béni. Donc, souci n'a pas, mon chef de l'État, Boutou Mabé. Babé n'aïe, bas sambi, c'est pour pas destituer, bas l'ongolaïe. Et vous dites non, c'est votre collaborateur. Un ennemi juré, tout pire. Ou azali koloké intérêt. Il y a famille n'aïe, il y a yemoko. Au détriment intérêt, il y a peuple congolais et son président qui a la bonne foi de gérer ce pays. Et puis azali koloké intérêt. Non, bon monité. Bonjour attaquer n'aïe, bonjour attaquer le chef de l'État. Menteur, menteur. C'est toi d'ailleurs qui attaque le chef de l'État. Tant que le chef de l'État, azali koloké sa ordre. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous pouvons pas accepter cela. Notre pays, notre cher beau pays, nous doit détruire le monde union sur l'État. Après, le banon, c'est sur l'instruction du chef de l'État. Le loi n'a pas cédé. N'a pas cédé. C'est cédé. Mon a yangote, tokotanga yangote, d'ailleurs, dans notre loi. Aucune place, on a dit, baye la yo vidéo comme témoignage, baye kota la. Le discours du chef de l'État, les annotations du chef de l'État. Vous blaguez avec la justice ou quoi? Vous pensez que ces gens-là, là, tu vas tonger, tu vas faire la pamba, tu vas faire la classe, tu vas faire la tanga, ou tu vas faire la tanga, non, on a un CD, instruction à chef de l'État. Tellement pesa qui n'a pas, il y a un collègue qui a dit que nous sommes là, qui chef de l'État, nous sommes là. Quelle bêtise! Quelle bêtise de mauvais goût! Quelle bêtise! Et puis, ça, c'est vraiment des affirmations mensongères. Nous avons dit que non, avant que nous ayons fait la banque, nous avons dit que le chef de l'État, qui n'a pas C'est quoi ça? Donc tu veux nous montrer comment moi sur Obala qui a zaki déjà nandaku na France? Nandaku na France. Mais il y a un modèle nin. Parce que s'il faut ton côté maintenant, ma vie privée, c'est la honte, une honte systématique pour un haut cadre du pays. Et vous allez dire non, pourquoi on s'attaque à la vie privée, mais vous en parlez en public, dans le procès. Aujourd'hui, la vie, moi, si nayo, n'est-ce pas, si nayo, c'est déjà dans la France. Mais elle a eu cette maison où? Après avoir parcouru où?
elle a fait quel parcours d'une femme légitime pour qu'aujourd'hui, Azala Nanda Kouyazanango. Tel parcours. Oh, le loyo zo, il s'abissa à Zaki Nanda Kouna France parce que. Oh là, la Nanda Kouna yo yoza mouchi, il faut que Kola la Nanda Koumoussous. C'est quelle bêtise. Alors, Nanda Kouana, chef de l'État autorisé, ok, on est famille, on a banque, pour que on soit Nanda Kouya Yomoko, pour moi, ça, bah, dans l'Ouana, Nanda Kouna, la place aux Alpes. C'est ce que vous dites dans le procès. Batbazo Landa, Bazo Yoka. Quelle honte pour M. Kamere. Quelle honte. Quelle honte. Et puis tu t'appelles intellectuel au cadre du pays, haute personnalité. Et il y a des gens là qui critiquent de gauche à droite. Hein? Oh, c'est l'acharnement. Pourquoi vous êtes trop cher? Quand j'ai dénoncé que ce monsieur était en train de détourner l'argent, on était en 2019, qui m'avait cru? Mais aujourd'hui, vous avez des preuves. Mais par contre, je vais vous dire une chose, on ne va pas trop parler de lui. C'est fini pour lui. Je vous ai lu hier. Code pénal de notre pays, en son article 145 et 145 bis, comment est la tibino, comment Moutouana a coquis jamais qu'on résister, a coquis jamais Kobima. Et puis j'avais parlé de 20 ans, to comment qui n'en a plaidoirie, tant que la plaidoirie, bon, yo kibino moko combien, ben, ça qui est 125 ans, un an, 20 ans, ben, si, ce n'est pas par hasard que j'avais parlé de cela. Donc avant de dire quelque chose, j'avais vérifié déjà les documents, j'avais déjà lu. Croyant que détournement des deniers publics, les alliés fortes moko ou les alliés intellectuels, pénalité nango, selon la constitution de mon pays, les alliés décrit l'article 145. Dans 145 balobi, tout fonctionnaire ou officier public, cela ne nous concerne pas, na ligna comme à la place au balobi. Peine naïe, balobi. Ah. Oui, je vais lire tout. Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou tout autre titre, tout mandataire ou préposé de personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des derniers publics ou privés des effets en tenant lieu des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu. Alors, quand on vous dit entre ses mains, est-ce que Mbongo il fallait bima? Isaac n'a pas beaucoup à Félix Tshisekedi. Non. Mais Isaac n'a pas beaucoup à Nan. C'est lui qui ordonnançait les comptes. C'est lui qui a écrit au ministre des Finances. C'est lui qui a écrit au ministre du Budget. Et le ministre des Finances, lui, à son tour, il ordonne le gouverneur de la banque. C'est à lui seul qui incombe cette infraction. Balobi, qui aurait détourné le bien qui était entre ses mains. Est-ce que le chef de l'État avait encore les comptes de la République entre ses mains? Non. Mais il avait donné l'ordre à quelqu'un, comme superviseur numéro un, de faire le travail. Alors, Balobinine, le bien qui était entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge, parce que Bapessina charge à cause de la superviseur, j'ai le droit de tout faire, parce que c'est sur l'instruction du chef de l'État. Donc, je fais tout ce que je veux, parce que tant que Batou Nangana Koloba, non, je ne fais rien de moi-même, c'est sur l'instruction du chef de l'État. C'est ce que M. Kamere a fait. Soit en vertu, soit en raison. En vertu de quoi? Je suis directeur de cabinet. C'est le chef qui m'a instruit. Soit en raison de sa charge, parce que c'est moi qui ordonne. Sera puni d'un an à 20 ans des travaux forcés et en condamnant à la peine prévue, à l'alinéa précédent, le juge prononcera en outre, Yoka, interdiction pour 5 ans, au moins, et 10 ans au plus après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité. Donc, une fois sali en 20 ans, au coquin qu'on vote, au peut qu'on vote, yoté. Donc, tu n'as pas toujours qu'à délétérer qu'on zalaté. 3. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Bon, yo kibino moko. À quoi c'est la fonction publique? Et para-étatique, quel qu'en soit l'échelon, même si on a lobby aux alliés, attaché du bureau. Attaché du bureau kaka au salaté. Quel qu'en soit l'échelon. Donc, Moussalon s'est allié à l'État au salaté. L'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo, après l'exécution de la peine,
si le condamné est un étranger, comme M. Nani Jamal, lui, il est obligé de quitter le pays une fois consommé 20 ans. Mais avec son âge, 20 ans, même 15 ans, Pamba Soba Pessi. Vous pensez que Arobima vivant pour m'expulser. Donc, lui, il est côté là, il y a des alliés destinés à Zambalinga qui a fait le modèle 1. Et quand les gens ont vu, Balobito Kokonaïne à 20 ans, les gens se sont dit, bon, moi, les gens qui procès politique, même les gens qui ont fait procès politique, au Balou a dit tout là, tant que les gens qui ont fait monsieur, yo tant que vous avez fait quitter les problèmes, vous avez fait quitter les problèmes, il y a mis sur l'état. Et mis sur l'état, il y a banane. Et ça pour un bocaté, tant que vous détournez, yango bien. Les lois condamnées, yo commis, dans le bas de quatre langues. C'est du mensonge, on ne va pas accepter du mensonge pareil. Nous avons le code pénal dans notre main, nous avons la constitution du pays, donc tout ce que nous disons est réglementé par la loi dans notre pays. On n'a pas peur de qui que ce soit parce qu'on n'exécute pas un ordre donné par quelqu'un, mais on est en train de respecter les statuts, les textes, le règlement, la constitution de notre pays. On est à ce niveau-là. Je vais demander à tout le monde. Oyo ba yebiki, mosala bisoto zo sala. Ezali pour le veille patriotique ya ba congolais nyonso. Congolais ayeba droit na ye. Congolais ayeba oya koki ko sala na vie na ye. Congolais ayeba comment akoki ko revendiquer. Ya ba tout na ki ngai mais président René au sala ba pétition. Est-ce que ko souka bien? Oui. Souka bien, batignons ma rose à la pini, ta maman ma yo qui chaleur. Place à Zala yo qui chaleur, et place pena na Zali, Kabila. Nakoya rola la naye, échangé. Kingakati beaucoup ta été, je l'aime beaucoup ta été, qui sent beaucoup ta été, azo tamboula tamboula. Pona nini, il sent déjà la chaleur. Et cette pétition que je suis en train de faire, ça va arracher notre pays dans la main et dans la bouche de pierres de nos minéraux. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Nous avons avec vous voté et signé une pétition contre Tambo Mwamba. Ni ne cela qui freine pour Bakangaye immunité parlementaire. Et en guise des immunités parlementaires, bon on va député Lelo. Bazali comment dans l'institution yon so pamba. Kaka bangone bazali institution est sacré en Mboka. Donc être député au Congo, c'est être au-dessus de la loi, au-dessus de toutes les institutions. Donc à quoi que l'on a moutouté parce qu'il y a une immunité parlementaire. Pour Bakangaye, mais yon qui batte Lelo pour le canal télévision. Vraiment, c'est quel pays m'empêcher de péter à côté de... Donc, député, c'est qui? Pour vous. Quand la personne du chef de l'État qui vous est entré, bah, citer combien de fois, Nakatia procès qu'on a. Bah, citer chef de l'État combien de fois? Donc, député, ça au-dessus à chef de l'État. Celui qui engage le pays pendant 5 ans même, voté par le suffrage direct. Et vous dites que non, un honorable député qui va là-bas pour voter loi, contrôler les lois, et il ne les fait pas. Mais on y a un bon rebelle, à Salim Abbé Balandela était parce que non, c'est un député, c'est un député. Mais c'est quoi ça? Nous sommes dans quel pays ça? Et je vais vous dire une chose qu'ils vont plaire. Qu'ils vont plaire et ils vont regretter. On ne va pas laisser une chose passer. J'ai initié une pétition où ils allaient quoi attaquer les immunités parlementaires. Et la loi portant statut de l'ancien président, il y a la loi portant statut de l'ancien président. Botang article 8 plutôt, article 8, il y a loi wana. Bokomona ki kabila ba komi sa ki nzambe na loi wana. Donc a koki ko sambate pona makamnyonso sala ki Congo, ba koki ko sambise li bana mokate kaka la ba. Kour na biso oui. Mais pour les saints misaïe maintenant, t'es ma qui pendant qu'il était président, ma coquille yangote. Non, 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 non. Mais tant que vous votez Baloa Oyo, Fayou les Akin ensemble, il était où? Il était où? Bazo voté Baloa Oyo. Baza Jacques Mambawana. Batunyo so bazo ko sala bruit babazaïba. Ils étaient dans l'hémicycle des députés. Ils étaient où? Bazo voté loi. Yakabila Azala, le tout puissant. Batouché était. Or Babo Saniki. La souveraineté appartient au peuple que nous sommes. Et nous, peuple congolais, nous pouvons décider par une pétition en guise de l'article 27 de la Constitution qui nous donne le pouvoir. Et je me suis dit, moi je me porte garant devant les institutions pour nous représenter peuple congolais. Je vais initier une pétition parce que c'est mon droit donné par l'article 27. Et cet article me donne le droit. Il y a quoi initier cette pétition? Et l'adresser à l'autorité publique de l'État, je vais le faire pour la consigne dans l'État congolais, babolir loi
Ou ezali ko sala protection ya Kabila comme un petit dieu. S'il il a engagé le pays, s'il était président chef de l'État, il a le droit d'être protégé, mais dans les limites des choses, pas seulement parce que si ce mandat, il y a un victime, il y a mes gestions, il y a Kabila. On y a un qui victime, il y a tribalisme, victime, il y a service de renseignement, victime, il y a répression, il y a nerf, victime, il y a Makamioso, Bakanga Bango arbitrairement, Babi Sabino Bango, c'est le moment, nous devons nous tenir main dans la main. Venez avec vos prayers, mais amenez-nous aussi votre contribution pour que nous puissions faire signer cette pétition. Nous devons marcher d'une maison à une autre pour que Moutounyonso a signé pétition. Nous avons pris tout ce temps pour réunir moyen pour que permettre ce temps toujours quittable. Dans ma terrain, dans ma commune, comme il y a chaque 20 personnes, il faut que 19 signer et tous ces chaque 19 il faut la masque, il faut la sucre, tout ça, ça demande de moyens. Nous allons le faire. La télévision, nous serons accompagnés des journalistes qui seront aussi payés, tout ça. Ça va nous demander plus de moyens. Bosunga, partout aux Ali, aux Ana, 10 francs na yo, pesa, 100 dollars, pesa, 50 dollars, pesa, 1000 dollars, pesa, Sunga, Mokanayo, si vous voulez, les changements. Et le changement, c'est maintenant. Président Félix a la volonté. Il veut faire de bonnes choses. Mais il est encerclé par une institution qui fait frein, l'Assemblée nationale. Les gouvernements bourrés de mauvaises personnes. Esprit Nabango, comment l'empêcher? Ils étudient ça du matin au soir. Comment empêcher le chef de l'État? Mais comment vous allez empêcher un président qui a déjà une population comme la nôtre, un peuple comme le nôtre? Si Manaye Balobi jamais te kotikaye, c'est impossible. Voilà comment nous avons dit. Nous allons aider les chefs de l'État. Mais pour aider les chefs de l'État, il faut utiliser les moyens officiels de l'État. Et ces moyens officiels, ce n'est pas un autre moyen. Nous devons utiliser la Constitution. Constituer un lobby, tu peux déposer une pétition à Bissot. Au cas où, bah, yoki angote, là, on va passer un soulèvement populaire. Parce que, bango, baboy koto sa Bissot. Comment, batou, oyo, baboy koto sa ti, bah, ordre donné par la justice. Justice à l'obibo, ça, l'été, bango, basal. Vous avez un niveau, n'y m'tozokin. Mais ce qui décision y a Kabundi d'abord, écoutez bino bo il est bo chauffé. Bon quand c'est votre décision président Félix, ça vous est la facile. Pour décision Kabundi, bon moni n'engue tchèb bino mal à l'aise. Bino moko place vous mal à l'aise. Yango bo lino bo organiser élection, no kino ki bo organiser yango. Mais botina on a date ultérieure pour l'année. Ma bonne, si tu t'entêtes pour le faire, tu auras la population congolaise sur ton dos. Bah quand tika t'es, ce qui t'otika qui la fois passée, c'est parce que ton mona qui est confiné mais Zaki Makas. Bon, cette destitution, on est battu, mais les Bazaki n'a traîné un procès. Il y a Mouyibi, oh, il y a qui côté. Les lots, battu, bah, détourné déjà intention d'assemblée. Bien que procès, monsieur, ces autres continuent. Procès, l'équipe, il y a qui procès. Il y a travaux, il y a ma maison préfabriquée, il fallait basal na Congo. Mais le programme à 100 jours, Mobimba, non, procès n'a pas, parce que procès, monsieur, il y a basse de moutou, bandit, les lots, oh, il y a qui, DG Wenga, basse, aussi 15 ans de prison. Par rapport à détournement, n'a déjà y a Foner, 15 ans à prison aussi, Boye Bake, ce n'est pas par hasard. Déjà OVD, déjà Foner, Bassamisi Bangolelo, Bakateli Bangope 15 ans, Nalobi déjà Bakateli Bango parce que plaidoirie ça m'a pas embatté. So Boye Biangote plaidoirie ça m'a pas embatté. C'est avec beaucoup de preuves. Et juge président, n'a collectif mobilement, ne pensez pas qu'ils vont refuser. Oh, y'a Bakolobana plaidoirie. Ils ne vont pas refuser. On peut diminuer, mais on ne va pas refuser. Donc je vous dis que Kalate, ça va chauffer. Quant à moi, je sais que j'ai fait mon travail. Félix Foumou ne fait que me dire que monument, il y a juge Raphaël Niaï et Salema. Tosengina, maman Marie-Claire aussi, na niveau ya Montréal, merci. Ba maman Bazaï Bele, ba maman ya MDCC, ba maman Ognon Soba soutenu à Kafati na Belgique. Tu es bien que pour la Rwanda. Biso, Nazali Koluka bateau, yo Bazali mur pour faire face la dictature yo Kingakati a lié instauré dans l'institution pour boycotter les lois du pays. Il faut tôter le Melabango. Tous ces grands hommes qui pensent qu'ils ont de moyens, ils sont forts en politique, ils sont forts juridiquement. Bayebi, comment on peut faire ce travail? Bayato Sangana, pour faire face à la dictature, Kabila Wazali Koluka, à côté de l'institution,
pour que tome kapwede chef de l'État. Nous avons aussi le faveur pour la population congolaise. To sengi mutunyonso wa yebi ke akoki kosunga mboka oyo. Toza na société ya gardiennage. Na société ya gardiennage toza na besoin ya batu o ba koki ko pesa ba marché. Po biso to tina ba jeune congolais ba ki ko sala musala. Yo tango zali na biloko na yo ozaka na ba sécurité, ozaka na ba police, ozaka na ba nani senga biso to pesa yo ba agent. Bajan wana baya ko salam sale pa na yo, c'est de l'emploi que tu donnes aux congolais. Au lieu futa mbongo wana à un individu ou à sala ke lokomo kote ba bengé par exemple na munduki mais aya fani wana di matin au soir mais okope sang pe na ba civil au bazam sala mo sote parce que police a déjà payé par l'état ce que aux en a besoin. Ya ba garde o ya minene ba kozala o bazali ba intellectuel ba kozala ba garde ya modèle nyonso na société de gardiennage pour que marché obino boko pesa biso to ko engager ba tumusi to ko engager ba jeune congolais. C'est notre façon aussi ya ko aider ba jeune congolais pour ba ngona chômage. Donc si vous voulez que to engager ba to ba biloko na bino bozana ngo ba hôtel ba restaurant ba ndaku ba biloko nyonso minene ba magasin bo contacter biso to zo ba jeune wana to ko tsaba ngo misala pour ba sala musala na ba ndaku na bino place bino boko zala. Mais pour na makambo ya pétition nyonso ba liba contacter ngai, je donne encore mon numéro bo lukanga na plus 243 84 43 68 919. Je répète un peu pour la meilleure audition, j'ai dit plus 243 84 43 68 919. C'est mon numéro WhatsApp. On peut aussi causer largement là-bas. Mais bon, il y a un moment où tout en a besoin, comme je vous ai toujours dit dans ma émission, sur lundi semaine au Mobimba, je n'ai pas besoin de trop de textes. Pour le moment, on a besoin d'action d'abino. Pour que tout ça la pétition est simba. Mboka na biso soki pona ba mayeli, mayeli zaki belé me baction zaki muké à cause de la dictature. To bandis ko baction botina ba moyen biso tout ça la baction. Je vous remercie. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Gouverneur Jacques Kiabula s'érige en barrière contre le Covid-19 dans le Haut-Katanga. Sensibilisation des terrains sur le respect des gestes barrières et prise en charge des malades. Retour sur les péripéties du confinement strict réussi des Lubumbashi et Kasumba Lessa. Jacques Kiabula Katwe, les défis de la réussite. Wandani, l'homme et ses œuvres. Reconstruction et décollage économique. Sécurité. Mobilisation de recettes. Eshima Magazine revient sur les succès notables du chef de l'exécutif du Haut-Katanga. Découverte, Moussa Mondo, valeur sûre de la politique congolaise. Focus, Nene Ilunga, en première ligne pour la défense des droits des travailleurs pendant les confinements. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, pêche et élevage, Jonathan Bialosuka, sortir la RDC de la sous-alimentation. Économie, impact du Covid-19 sur l'économie congolaise. Afrique, que restait-il de la France-Afrique? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.